est situé sur le versant occidental du Salento méridional et il fait partie de l'Union Ionienne Salentine, avec les villes de Aliste, Milissano, Ragale et Taviano. La ville compte plus de 11 000 habitants et au cours des dernières années, son économie s'est développée notamment dans la fourniture des services bancaires, d'assurance et commerciaux. L'agglomération urbaine de Matino s'étend dans le prolongement des serres salentines sud-occidentales où s'élève la colline de Sant'Eleuterio, parmi les promontoires les plus élevés de la province de Lecce. Autour de la ville, on peut admirer les vastes champs d'oliviers et vignes, témoignage de la fertilité de cette terre et de sa tradition agricole, aujourd'hui encore ancrée dans la production de l'huile et du vin d'excellente qualité. Dans les centres historiques, il est possible d'admirer les anciens moulins à huile souterrains, créés dans la roche calcaire. L'oliculture a marqué pendant de longs siècles l'économie de Matino, liée particulièrement à la production et à la vente de l'huile. Riche en charme vivant, les moulins à huile conservent encore en son sein les outils pour le pressage des olives, utilisés pendant des siècles par les bras puissants des trapitari, les ouvriers chargés du fonctionnement des pressoirs, guidés par leur chef, le Naquiro. L'ancienne ville se présente aux yeux des visiteurs comme un joyau précieux, caractérisé par des ruelles typiques et des jolies terrasses placées entre montées et descentes qui donnent sur des paysages suggestifs. Le riche patrimoine historique artistique de Matino se combine parfaitement avec l'attention pour la valorisation et la promotion des beautés des lieux, où la vocation touristique culturelle coexiste avec l'accueillance typique des gens du Salento méridional.